coupe du Valhalla ! Dissipez le mal ! Toujours. Oh ! Bientôt, de nouvelles troupes arriveront du Valhalla. Terminé. Le mal avait sacrifié suffisamment de héros. Plus rien ne l'empêchait d'arriver en personne. Mais en aurait-il le temps ? On dirait presque un défi. Bien sûr que nous pouvons tenir. Un moment, en tout cas. Miam, 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 fit le puits des sacrifices. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. C'est jour de paix. Puissance grandit. Bientôt, les troupes du Valhalla déferleront. Impossible qu'ils se relèvent. J'attends vos ordres. Dans mes veines. Guerriers du Valhalla, levez-vous. Oh!
mal vient toujours d'en haut. Excusez-moi, puis-je vous parler un instant de notre seigneur et maître, le mal absolu ? Ah, on vous sacrifie en ce moment. Très bien, plus tard peut-être. Ma puissance grandit. Bientôt les troupes du Valhalla déferleront. Miam, 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 fit le puits des sacrifices. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est un héros projeté tout droit dans le puits des sacrifices par la main de la terreur. Excusez-moi, puis-je vous parler un instant de notre seigneur et maître, le mal absolu ? Ah, on vous sacrifie en ce moment. Très bien, plus tard peut-être. Un champ de bataille. Le mal triomphera. Le mal avait repéré d'autres contaminés. Il savait ce qu'il avait à faire et aiguisait déjà ses couteaux. Les portes du Valhalla s'ouvrent déjà. Regarde, Talia. C'est jour de paye. Mort ou bien. Guerriers du Valhalla, levez-vous. Ah!
Miam, 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 fit le puits des sacrifices. Oh, oh. Bientôt, de nouvelles troupes arriveront du Valhalla. Entendez-vous ces cris toujours plus lointains ? Oui, ce sont ceux du héros que vous venez de jeter dans le puits des sacrifices. Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Non, c'est un héros projeté tout droit dans le puits des sacrifices par la main de la terreur. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Ce pouvoir est un don. Excusez-moi, puis-je vous parler un instant de notre seigneur et maître, le mal absolu ? Ah, on vous sacrifie en ce moment ? Très bien, plus tard peut-être. Impossible de se relève. S'ouvre déjà. Regarde, Talia. Excusez-moi, puis-je vous parler un instant de notre seigneur et maître, le mal absolu ? Ah, on vous sacrifie en ce moment ? Très bien, plus tard peut-être. Troupe du Valhalla, détruisez le mal ! Jour de paix. Les portes du Valhalla s'ouvrent. Bientôt. Maintenant.
Excusez-moi, puis-je vous parler un instant de notre seigneur et maître, le mal absolu? Ah, on vous sacrifie en ce moment. Très bien, plus tard peut-être. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Vient toujours d'en haut. Garçon ou fille, peu importe, tous dans le puits des sacrifices. Les portes du Valhalla s'ouvrent déjà. Regarde, Talia! Miam, 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 fit le puits des sacrifices. Le mal avait sacrifié plus de héros que les créateurs de ce jeu n'auraient pu l'imaginer. Mais bon, c'était de la chair à canon de toute façon. Alors, où en étais-je? Ah oui, la soif de sacrifice du mal semblait enfin satisfaite, et il pourrait être invoqué en toute tranquillité. C'est le moment. Enfin, on va botter les fesses de Thanos. Jamais! Abomination! Vous n'avez aucun pouvoir ici. Vous ne passerez pas. L'heure était enfin venue. Le mal absolu s'extirpa des profondeurs du temple. Et il n'était pas trop tôt, car Thanos invoquait à nouveau d'innombrables héros à travers ses portails. Mais ces héros ne présentaient aucun danger pour le mal immortel. Un échauffement de routine, tout au plus. Il se tailla un chemin à travers les rangs ennemis, leur sang éclaboussant de toutes parts. Les censeurs ne vont pas aimer, mais peu importe. Après que ses ennemis eurent été vaincus, le mal se tourna vers Thanos et un duel épique commença. Les pouvoirs des deux adversaires illuminaient les alentours tandis que des éclairs zébraient le ciel. Ils échangèrent quelques coups avant de se figer dans une épique pose de duel de regards.
Une bataille typique, comme on en voit dans tous les dessins animés, qui dure 3 épisodes en utilisant les mêmes décors. Mais les adversaires n'étaient pas du même niveau. Thanos réalisa qu'il n'était pas de taille contre le mal absolu. Son courage et sa volonté chancelèrent. Mais la déesse fit preuve de pitié quand il l'implora. Elle le protégea d'un bouclier divin pour qu'il puisse utiliser sa pierre de foyer et se téléporter en sûreté. Le mal absolu voulut hurler des insultes bien senties, le genre d'insulte à vous glacer le sang. Malheureusement, il n'avait pas de voix et il se contenta d'agiter la main de façon menaçante. Cela dit, il ne pouvait pas rester là pour l'éternité et il disparut une fois encore. Mais Talia avait goûté au sang. Honteuse de son échec, elle se lança à la poursuite de Thanos. À marche forcée, elle mena vers la capitale l'armée du mal, lequel prenait un petit cognac pour se remettre. Peu après, Talia se tenait devant Souffle-Vent, prête à mettre fin au conflit une fois pour toutes.